Bonjour tout le monde, c'est Théo des Quest Gamers et aujourd'hui j'utilise le Zombie Meat Mode. Alors avant de commencer, deux petites annonces suivront à la fin de la vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ces deux annonces. Merci. Donc on passe à la présentation du mode et comme les anglophones l'auront compris, ou ceux qui parlent un petit peu anglais, ce mode permet de cuire la viande de zombie, la chair putréfiée, pour en avoir du cooked zombie meat. Donc ça va être la base des autres crafts du mode, à savoir. Déjà, si vous mangez 7 zombie meat, cela vous restera 2 barres de faim. Mais aussi, vous pouvez en faire des outils. Bon, les outils sont pas hyper intéressants. Leur efficacité se situe environ entre le bois et la pierre. Et vous pouvez l'utiliser 200 fois. Donc là, je ne vous montre pas tous les crafts. Je vais seulement vous montrer ouais, bon, allez, la pioche et l'épée. Donc voilà, moi je trouve que les textures sont plutôt pas mal. Mais également, avec cette cook zombie meat, il est implanté un nouveau bloc qui a fait son apparition très récemment dans l'historique du mode, le Zombie Meat Block. Donc ce bloc n'est pas forcément hyper design, mais il n'est pas hyper design. Bon, on ne peut pas faire que des modes génialissimes, mais bon, c'est un petit mode que j'ai trouvé sympa, donc j'ai trouvé nécessaire de vous le présenter. Donc voilà, c'est fini pour ce mode, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour voir plus de vidéos. Merci, à plus tout le monde, bye! Donc voilà, on passe à la partie annonce. J'ai deux annonces à vous faire. Alors déjà, une annonce qui va concerner la suite de la chaîne. Alors, vous inquiétez pas, il y aura toujours au moins une vidéo par jour de Minecraft Mode. Mais je pense, bon, si jamais j'ai beaucoup de devoirs pour l'école, je suis quand même en première S, je ferai genre 6 vidéos par semaine. Donc ça fait quand même, bon, pas mal. Et donc, je pense lancer une série, une aventure suivie, mais ultra giga modée. J'ai pris plein de gros mods. J'ai essayé de les mettre ensemble, je suis arrivé à une combinaison de 23 modes. Donc je sais, je vais essayer de pousser genre 25-28. Et je vais vous faire une aventure suivie. Donc si jamais vous regardez la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon, deuxième partie de l'annonce, je pense que je vais entrer en collaboration avec une chaîne pour tout simplement vous proposer des tutoriels d'installation en continu. Donc même pour les modes qui n'ont pas forcément d'installation difficile, on va proposer continuellement une tutoriel d'installation de mode. Je vais y arriver. Donc le tutoriel pour ce mode va suivre normalement. Donc soit le lien du tutoriel sera dans la description, soit en haut à gauche en annotation. Donc bien sûr, si le tutoriel est posté, je mettrai les liens à jour, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, sur ce, c'était Théo, TQuest Gamers, bye tout le monde.